Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je déconseille fortement aux âmes sensibles et aux enfants de regarder cette vidéo. Avant de commencer cette histoire, je tiens à remercier Astrofisto qui me l'a proposée. Je vous emmène aujourd'hui aux États-Unis, dans les environs de New York et en mer. Le lundi 8 juin 1931, à 6h30, Daniel Moriarty exerce son métier de ramasseur d'épaves sur la plage de Long Beach près de New York quand il aperçoit un tas de vêtements au bord de l'eau. En s'approchant, il constate qu'il s'agit du corps d'une jeune femme vêtue d'une belle robe en soie, avec une ceinture de cuir verni et des bas de soie en bon état malgré les rochers sur le bord de l'eau et le mouvement des vagues. Une tenue coûteuse, mais par contre, elle ne porte aucun sous-vêtement. Ses ongles viennent d'être vernis en rouge. Troublé, Daniel fait signe à deux autres chasseurs d'épaves. Un jeune garçon se joint à eux et il est envoyé avertir les autorités. Le policier O'Connor arrive en premier et commet une gaffe. Il demande aux chasseurs d'épaves de l'aider à tirer le corps plus haut sur la plage, risquant ainsi de détruire des indices. L'inspecteur Harold King arrive avec le médecin légiste vers 9h30. Le corps est emmené à la morgue et rien ne permet de l'identifier. Pas de papier, pas de bijoux ni de montre. Seule une étiquette sur la robe peut donner un indice. Elle provient de chez Lord et Taylor, une boutique chic de la 5e avenue. L'autopsie démarre à 15h10 et se termine à 18h30, avec comme conclusion que le décès est dû à une noyade, probablement arrivée la nuit du 5 au 6 juin. Juste au moment où l'autopsie se termine, arrive un homme qui dit connaître la malheureuse. Il s'appelle Stanley Faithfull et déclare que la jeune femme est sa belle-fille, Star Faithfull. Elle est partie de la maison vendredi pour aller chez le coiffeur, mais n'est jamais revenue. Mais qui est-elle? Marianne Star Wyman est née le 27 janvier 1906 à Evanston, dans l'Illinois. Elle est surnommée affectueusement Bambi. Ses parents sont Frank Wyman, un banquier qui travaille dans les investissements, et sa maman est Hélène McGregor Pierce, qui vient d'une famille aisée. Malheureusement, son père dilapide rapidement la fortune d'Hélène. La famille déménage en 1907 dans le New Jersey, où leur deuxième fille, Elizabeth Tucker Wyman, vient au monde en 1911. La cousine d'Hélène, Martha, est l'épouse d'Andrew James Peters, un homme politique puissant et ami du futur président Franklin Roosevelt, qui est le gouverneur de New York à l'époque des faits. Et Hélène et ses filles leur rendent souvent visite. Martha et son mari les aidant régulièrement financièrement. C'est d'ailleurs eux qui payent les études dans l'école privée de Rogers Hall School à Lowell pour Star et Tucker. Star passe beaucoup de temps avec les Peters, allant même jusqu'à accompagner Andrew James dans ses déplacements et partage les mêmes chambres d'hôtel que lui. En 1923, l'attitude de Star change radicalement après qu'elle ait passé les vacances d'été avec les Peters dans le Maine. Soit elle se maquille outrageusement, soit elle s'enlaidit en portant des vêtements très larges ou carrément masculins, et elle quitte l'école. Son regard est parfois vide, au point que sa maman se demande si elle ne se drogue pas. Malheureusement, pour ajouter aux ennuis de la famille, le mariage d'Hélène et Frank prend fin en 1924. Le 7 février 1925, Hélène épouse en seconde noces Stanley Faithfull, un inventeur raté sans le sou qui donne son nom à Star et à Tucker. Il a cependant trouvé un moyen de gagner sa vie. Il fait des procès pour tout et n'importe quoi afin d'obtenir des dédommagements. Parfois ça marche, parfois non. La famille s'installe à West Orange dans le New Jersey, mais leur situation financière instable ne leur permet pas de rester. Ils emménagent donc dans un appartement à Greenwich Village à New York. Le 26 juin 1926, Andrew Peters, de passage à New York, emmène Star au théâtre de Broadway. Il prévient Hélène que comme il sera trop tard pour rentrer, il a prévu de réserver une chambre d'hôtel pour Star et lui. Le 27, Star rentre complètement perturbée et hébétée. Elle file s'enfermer dans sa chambre. Le lendemain, elle se confie enfin à sa mère sur ce qui se passe depuis des années. Peters abuse d'elle depuis qu'elle a 11 ans. Il a commencé par lui faire lire à haute voix des passages des livres d'Avlok Ellis, un pionnier de la sexologie, et petit à petit, il est passé aux baisers, caresses et je vous passe les détails parfaitement dégoûtants. Et pour qu'elle se laisse faire, il lui faisait respirer de l'éther. Pas la peine de vous dire ce que je pense de ce sale type. La nuit du 26 juin, ils ont eu pour la première fois des rapports complets.
et c'est le traumatisme de trop pour Star qui en parle enfin. Hélène prend avis auprès d'un homme de loi qui conseille fortement à Peters de contribuer financièrement au rétablissement psychologique de Star. Ça ne s'invente pas. Et il paye. Cet argent sert aux soins psychologiques de la jeune femme, qui consiste à lui payer un tuteur sexuel qui lui apprend à avoir des rapports normaux et surtout à l'envoyer en croisière pour se vider la tête. Elle part donc aux Antilles, en Méditerranée et surtout en Angleterre où elle séjourne plusieurs fois à Londres. Lorsqu'elle ne prend pas part au voyage, elle assiste aux soirées organisées sur les bateaux avant leur départ. C'est comme ça qu'elle rencontre le docteur George Jamison Carr, dont elle tombe éperdument amoureuse. Amour à sens unique, le médecin n'étant pas du tout attiré par elle. Le 29 mai 1931, elle est sur le bateau de la compagnie Cunard Line, le RMS Franconia, où se déroule une fête pour voir le docteur Carr. Comme elle n'a pas de billet, on lui demande de quitter le paquebot, ce qu'elle ne fait pas. Elle est donc mise de force dans un remorqueur pour rejoindre la terre ferme. Mais elle se fait remarquer en criant « Tuez-moi, jetez-moi par-dessus bord ». Malgré les soins psychiatriques, Star perd pied. En mars 1931, elle est hospitalisée après avoir été retrouvée nue et battue dans un hôtel où elle est arrivée avec un homme qu'elle venait juste de rencontrer. Le 4 juin, un chauffeur de taxi emmène une Star fortement alcoolisée, pas assez à son goût apparemment, car elle arrête le taxi pour acheter de l'alcool. Direction ensuite le Queens, où elle cherche une maison qu'elle ne trouve pas. Elle finit par quitter le taxi devant une pharmacie. Ce même soir, elle annonce à sa famille qu'elle va à une soirée où il y a des acteurs connus. Mais le docteur Charles Young Roberts, qui travaille sur le RMS Carmania, dit que c'est avec lui qu'elle a passé cette soirée en réalité. Le vendredi 5 juin, Star quitte l'appartement familial vers 9h30 avec sa robe en soie, un chapeau, des gants, ses bas en soie et son sac à main pour aller chez le coiffeur. Selon sa famille, elle ne reviendra jamais au domicile. Elle achète un journal dans un kiosque à 11h30. À 13h, elle monte dans un taxi près des quais d'embarquement des paquebots en compagnie d'un homme portant un uniforme d'officier de croisière qu'elle appelle Brucy. Elle lui demande pour le revoir à 16h, mais Brucy refuse. Le chauffeur de taxi ramène Star chez elle, mais ne la voit pas entrer, et il ramène Brucy au quai. À 14h, elle est de nouveau sur les quais complètement ivre. Brucy la remet dans le même taxi et dit au chauffeur de la ramener chez elle. À 14h30, elle est dans un institut de beauté pour prendre un rendez-vous. Elle se rend ensuite à bord du RMS Mauritania qu'elle quitte à 17h, car le paquebot prend le départ pour les Bahamas. Elle va donc sur un autre paquebot, le RMS Carmania, où le docteur Roberts lui tient compagnie jusqu'à 22h30. Ensuite, il la met dans un taxi et lui donne un dollar pour payer la course vers un autre bateau, l'île de France, où elle se rend pour une fête. Un policier témoigne l'avoir vue dans ce taxi. Une femme ressemblant à Star est vue le samedi 6 juin avec un homme à l'hôtel Tape près de Long Beach. Mais était-ce bien elle? Devant le corps de Star qu'il identifie ce 8 juin à la morgue, Stanley Faithfull déclare qu'il ne s'agit pas d'un accident mais d'un meurtre. Un second médecin, le docteur Otto Schultz, examine le corps et constate qu'il comporte un nombre important de coups donnés avant la mort. Et le décès serait en fait intervenu plus tard que ce que le premier médecin a déclaré. Elle serait morte dans la nuit du dimanche 7 juin au lundi 8 juin. Elle a une grande quantité de sable dans les poumons. Ça veut dire qu'elle s'est noyée en eau peu profonde, près du rivage. Elle avait mangé un repas copieux quelques heures avant sa mort et n'avait pas bu d'alcool depuis 36 heures. Par contre, son organisme contient du véronal qui est un barbiturique, en grande quantité mais pas assez pour la tuer. Elle en utilisait assez régulièrement. Mais il semblerait qu'elle ait en plus de ce produit qu'elle utilisait, un autre plus puissant qui l'a assommée. Il y a des signes de rapport sexuel juste avant son décès, mais les médecins ne sont pas d'accord sur le fait qu'ils aient été consentis ou forcés. Alors, meurtre, accident ou suicide? Stanley Faithfull explique à l'inspecteur Harold King les abus dont Star fut victime sans citer le nom de Peters. Malgré cela, King pense qu'il s'agit d'un suicide. L'incinération de Star est prévue le 11 juin, mais le procureur Elvin Edwards l'interdit, car lui, il croit qu'il s'agit d'un homicide. L'appartement de la famille est fouillé et les policiers trouvent le journal intime de Star. Et dans ce journal, appelé le même book, elle décrit les relations qu'elle a eues avec 19 hommes, dont elle ne donne que les initiales. Et bien sûr, il y a les initiales AJP. Et il ne faut pas longtemps aux journalistes pour tomber sur ces pages et faire le rapprochement entre AJP et Andrew James Peters.
Évidemment, Peters nie absolument tout rapport pervers avec Starr et encore plus être responsable de sa mort. Il n'a d'ailleurs plus aucun contact avec la famille Faithfull depuis 5 ans selon lui, mais il est attesté que les Faithfull l'ont contacté peu avant la mort de Starr pour demander plus d'argent. Et à part un mobile évident, il n'y a rien qui puisse prouver son implication dans la mort de Starr. Il a même un alibi. Il était bien en mer sur un voilier au moment des faits, mais à plus de 1000 km d'où le corps a été retrouvé. La police recherche activement le fameux Brucey, mais sans succès. Il y a beaucoup d'hypothèses sur son identité, mais aucune n'est plus crédible que les autres. Le chauffeur de taxi qui a emmené Starr cette nuit-là est également recherché pour témoigner, mais il ne se manifestera jamais malgré les appels et une offre de récompense. Et là arrivent 3 lettres que Starr a écrites au docteur Carr avant sa mort. Dans la première, datée du 30 mai, elle dit « Je vais maintenant, et j'y pense depuis longtemps, mettre fin à l'ennui inutile et désordonné d'une existence avant de ruiner la vie de quelqu'un d'autre également. J'ai certainement fait de tout cela un gâchis sordide et sans avenir. Je déteste tout tellement. La vie est horrible. Je suis folle de toi. Étrangement, j'ai un sentiment de paix, ou peu importe comment ça s'appelle, maintenant que je sais que ce sera bientôt fini. La demi-heure avant ma mort sera, j'imagine, plutôt heureuse. » Le message paraît clair, mais elle termine cette même lettre en demandant à Carr de venir la voir la prochaine fois qu'il viendra à New York. Un peu ambigu tout ça. Dans sa deuxième lettre, datée du 2 juin, elle s'excuse de l'incident du 29 mai à bord du Franconia, d'où on a dû la renvoyer de force sur un remorqueur. Et dans la dernière lettre datée du 4 juin, veille de sa disparition, elle écrit « C'est fini pour moi maintenant. La seule chose que je redoute, c'est que quelqu'un m'en empêche. » Si on veut s'en tirer avec un meurtre, il faut garder son sang-froid. C'est le même avec le suicide. Si je ne fais pas attention, je me réveillerai en psychiatrie, mais j'ai l'intention de faire attention et d'accomplir ma fin cette fois. » Elle décrit ensuite comment elle compte passer ses derniers moments en profitant d'un bon repas, d'un bon verre et d'une dernière cigarette. Un grand jury est constitué afin de décider si la mort de Starr est un accident, un meurtre ou un suicide. Les lettres sont apportées comme preuve du suicide et ont été authentifiées par un expert du comté. Mais Stanley Faithfull a engagé son propre expert qui réfute les conclusions du premier. Selon ceux qui penchent pour le suicide ou l'accident, la théorie est qu'après sa soirée avec Robert, Starr prend le taxi pour rejoindre une fête à bord de l'île de France et a sauté à la mer ou, si c'est un accident, est passé par-dessus bord à cause des médicaments qu'elle a pris. Elle a effectivement été vue par un policier monté dans le taxi. Par contre, absolument personne ne l'a vue monter ou même être à bord de l'île de France. En plus, comment serait-elle allée sur ce paquebot à 22h30 alors que celui-ci avait largué les amarres et était en mer à 22h? Et pourquoi prendre un taxi pour aller d'un paquebot à l'autre alors qu'avant son départ, l'île de France était amarrée à 100 mètres du Carmania? Elle avait mangé avec Roberts lors de leur dernière soirée, mais ça ne correspond pas avec les aliments retrouvés dans son estomac. Elle a donc de nouveau mangé un gros repas plus tard. Et surtout, il y a l'alcool. Bien des témoins ont vu Starr complètement ivre les 4 et 5 juin. Mais rappelez-vous, l'autopsie montre qu'elle n'avait pas bu d'alcool 36 heures avant son décès. Elle serait donc morte le 7 ou le 8 juin. Où était-elle entre-temps? Et d'où viennent les coups qu'elle a reçus avant sa mort? Comment ces bas de soie si fragiles n'ont pas été plus abîmés? La mer était agitée ce jour-là et il y a des rochers. Si elle était restée dans l'eau 48 heures, ses bas auraient dû être réduits en charpie. Finalement, le grand jury est incapable de déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un homicide. La famille de Starr serait-elle impliquée? La réaction de Stanley en face du corps de sa belle-fille est très froide et il a été rapidement persuadé que le corps découvert était bien celui de Starr avant même de le voir. L'aurait-il tué pour de nouveau tirer de l'argent à Peters? Au moment de l'affaire, la famille Faithfull est au fond du trou au niveau financier, et l'entente n'est pas du tout au beau fixe. La sœur de Starr n'hésite d'ailleurs pas à dire tout le mal qu'elle pense d'elle. Elle dit même après sa mort, elle est plus heureuse. Tout le monde est plus heureux. Starr se comportait comme une gamine pourrie gâtée, et allait jusqu'à nous frapper quand elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Alors, a-t-elle été sacrifiée pour permettre à la famille d'avoir plus d'argent en faisant chanter Peters? 2 journalistes d'une magazine de New Yorker émettent l'hypothèse qu'elle a été assassinée par un inconnu qu'elle venait de rencontrer. Elle l'aurait allumé avant de refuser d'aller jusqu'au bout avec lui. De rage, il l'aurait battue et abusée avant de la noyer.
Dans son livre « The Passing of Star Faithful », Jonathan Goodman donne une autre solution à cette affaire. Un gangster notoire, Vanny Higgins, aurait appris le chantage que subissait Peters de la part de la famille Faithful et il voulait sa part du gâteau. Il aurait fait enlever Star, l'aurait maintenue captive en lui donnant des barbituriques pour lui faire donner des détails sur les abus qu'elle avait subis afin de faire à son tour chanter l'homme politique. N'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, il l'aurait battue et jetée à l'eau. Peters a tranquillement continué sa carrière politique et n'a jamais eu à rendre de compte de quoi que ce soit, même si sa réputation a été un peu écornée, mais sans conséquences réelles pour lui. Il est décédé en 1938. Stanley Faithful est décédé en 1949 et sa femme quelques années plus tard. Tucker a repris le nom de famille de son père biologique, Wyman. Le dossier de Star a disparu au niveau du bureau du procureur. Il ne reste que le dossier de police. Star était en permanence à la recherche de l'amour, quitte à se mettre en danger. Malgré son nom, il semblerait qu'elle soit née sous une mauvaise étoile. Alors pour les livres et les films, en 1935, John O'Hara sort le livre Butterfield 8, qui est une version romancée de l'affaire. Ce livre est un tel succès qu'il est adapté au cinéma en 1960, et c'est Liz Taylor qui interprète Gloria, le personnage de Star. Elle remporte d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. En 1956 sort The Girl on the Lonely Beach, écrit par Fred G. Cook. En 1990 sort The Pacing of Star Faithful par Jonathan Goodman. Et le 1er février 2017 sort Who Killed Star Faithful par Gail Rue Stratford. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt pour une nouvelle histoire.